temple du Trône qui nous accueille ce lundi pour le Quintet. Mais on change de spécialité après le prix de l'île des France. C'est le prix des Rouges d'Air qui attire votre attention. Nommé ainsi pour le haras de la famille Rireux de Ré, on acquit notamment le crack jamon. Un mot intéressant mais difficile à déchiffrer et proposé à la sagacité des parieurs. Jouvence de Carrel numéro 13, où tirer son épingle du jeu et mettre tout le monde d'accord, à condition de rester sage. La protégée de la famille du Val d'Estaing a laissé une belle impression dernièrement dans un lot bien composé après avoir commis une incartade dans les premiers mètres et concédé un terrain considérable. Elle est à reprendre car elle fait face ici à une opposition à sa portée et découvre un très bon engagement. Elle sera préférée à Diabelle le 4, deux fois fautive lors de ses deux premières sorties sur la cendrée parisienne. Elle a toutefois montré de la qualité et peut jouer en premier rôle si elle se montre sage. Attention à elle. Junkie numéro 1 a réalisé d'excellents premiers pas sur notre sol. Une confirmation est attendue de sa part. Miss Jeanne 8 a su tirer profit d'un très bon parcours la dernière fois. Elle peut encore jouer un premier rôle si tout se passe bien. Justiciègle le 15 aime l'hippodrome de Vincennes. Elle y compte une victoire et un accessit en deux apparitions. Très bien engagée, elle a le droit de prendre une place avant le coup. Justicia Smart le 12, présente un profil assez proche et a déjà fait ses preuves sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste où elle fait afficher 75% de réussite parmi les 4 premiers en 4 sorties. Dana Di Poggio le 3, est associée à Jean-Michel Bazir. Elle luttait pour les places dernièrement au moment de sa faute près du but. Mieux vaut l'avoir avec soi dans une combinaison élargie. Duna Di Geri Falco le 5 a réalisé de bons débuts en France. Elle aussi est compétitive pour intégrer la combinaison gagnante du Quintet. Notre pronostic en 5 chevaux sera donc le numéro 12, le 8, le 15, le 1 et le 13. Bonjour à tous.